Jeudi 18 octobre 2018, bonjour, bonsoir tout le monde sur la terre. Nous comptons ensemble avec vous pour capable présenter toute information qui a dominé l'actualité. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité. Commémoration mercredi 17 octobre, 212 l'année, la mort Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines. Na occasion président République la Jovenel Moïse qui te gen ak li première dame République la premier ministre ak lot autorité nan l'état déposé yon jet fleur nan pie monument Papa Nation wan sou pont rouge nan Port-au-Prince et puis participer nan mes solennel qui fête marchand des salines. Qui bilan intervention police nationale d'Haïti pendant journée 17 octobre là? Est-ce que gen moun ki victime? Est-ce que gen arrestation ki faite? N'a gen réponse nan journal là puisque n'a recevoir en direct porte-parole institution policière Michel-Ange lui jeune. Mardi 16 octobre 2018, on marque journée mondiale alimentation. Dans l'occasion, responsable ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, dans tête collée avec Fonds Nations Unies pour alimentation, avec agriculture et puis Union européenne, organisé une journée activité pour marquer date cela. Et puis à l'étranger, Union européenne, c'est Union européenne qui traite États-Unis pis mal. C'est déclaration président américain Donald Trump fait dimanche passé. Une intervention qui est capable de compliquer plus relations amicales qui gagnent entre États-Unis et Union européenne. C'est un point ça que Claude n'a développé pour notre journal jeudi à n'a pas pause, pas déplacé, n'a pas tenu à l'heure. Merci pour fidélité et attention à l'édition nouvelle cela. Nous retournons pour nous capables de développer toute information pour vous. Et je vous dis la grande titre, hier, journée 17 octobre, il y a plusieurs événements qui marquent la commémoration 212 l'année, la mort Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines. La police a annoncé une disposition qui prend pour assurer la sécurité vie à bien. Et dans ce sens, on a recevoir dans le journal la matinée là en direct, porte-parole, institution policière Michel-Ange, lui jeune lui-même, qui prend le dressé bilan intervention PNH pendant journée 17 octobre. Là. Et porte-parole, bonjour. Bonjour, nous comptons ça avec nous dans le journal la matin. Bonjour PNH, c'est un plaisir pour vous répondre à la question du matin. Bakon, vous avez bien pour parole. Bonjour PNH, c'est un plaisir pour vous répondre à la question du matin PNH. Alors, porte-parole, dressez pour nous bilan, opération et alors intervention PNHP pendant la journée. Est-ce qu'il y a arrestation? Est-ce qu'il y a des gens qui sont victimes? Qui bilan humain qui gagne pour la journée? Justement, c'est un véhicule dans le département du Sud-Est et deux véhicules PNH endommagés et recevoir coup de roche dans l'Ouest et dans le Sud. Il y a deux véhicules qui étaient incendiés qui pas forcément des véhicules de police, des particuliers. Il y en a dans l'Ouest et dans l'Antibonite. Il y a dans le département de l'Ouest et un bâtiment qui était incendié. La police arrivait procéder à 8 arrestations. Trois arrestations dans l'Ouest, une arrestation dans le Sud-Est, deux arrestations dans le Nord-Ouest et deux arrestations dans le Centre. 11 policiers blessés à coups de roche. Deux dans l'Ouest, Aminario Young, bien bonheur, dans le Pont Rouge, c'est qui c'est un policier qui est affecté dans l'USGPN, dans le mouvement et officiel, il a présenté offrande dans le Papa Dessalines. Et 9 dans le nord, en tout, 11 policiers blessés avec coup de roche. Et il y a deux tentatives de pillage de maquettes que la police est arrivée de défier et à travers la mise en place qu'il a fait. Donc c'est ensemble de bilans partiels que nous gagnons et nous enregistrons pour journée 17 octobre-là, même si par la suite, nous venons apprendre que
dans la ville de Saint-Marc. Mais très tôt, pendant ma terre là, la complété donnée que nous gagnons pour nous capables d'informer le public là à travers la presse. PNH. Votre parole, parlez-nous de comportement policier. Est-ce que par rapport à différentes situations qui étaient présentées, vous avez montré très professionnel? La police est montrée très professionnelle. Parce que même si des grands monde effectivement qui viennent manifester, et viennent faire une activité démocratique, viennent dire des accords, c'est que vous avez droit à aller. Mais quand pile monde qui manifesté de mauvaises intentions, provoquer la police, tirer pour moi sur eux, et tirer cartouche un peu partout, et puis dans l'après-midi qui précédé 17 octobre là. Il y a un paquet de monde qui te mette uniforme en lycée sous yo, que nous sommes obligés de nous mettre. Dans le dos, il y a une valise qui est chargée avec roche, qui a tiré, et la police est bien qu'à procéder à l'arrestation en pile dans yo. Et l'objectif de la police, bien entendu, c'était pas de casse du tout, mais malheureusement, il y a deux ou trois monde qui étaient dérivés, des mauvaises intentions, que la police est venue de procéder à l'arrestation. Jusqu'à présent, c'est le public là, et c'est la presse, et qui est capable d'évaluer le comportement de la police. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous satisfaire à 100% parce que y a des gens qui mourent. Il y a des gens qui mourent, c'est déjà trois. Deux gens mourent, nous n'avons pas besoin de ça. C'est une perte pour la société. Hein. Mais la police prend note. Mais nous te fait quand même, on est sur tous les fronts, à travers les départements géographiques du pays. Et nous prenons note, prochain événement qui gagne, pour nous capables de faire le mieux. Gen informasyon ki ta fè tonte, ta fè kwen, gen machine san plak ki ta sikule, eske sa te rive bo kote nou, eske vreman nou konfime gen machine san plak, eske de gen disposisyon ki te pren par rapport a situasyon sa, si toutfwa te rive vreman? Tout sa, nou ki te gen pou te trouble a lot publik la, la polis te prevenu, kote prevensyon sa ta rive, eleman represif yo te la pou te mette tout moun ki ta fè des autres hors d'état de nuire. Mèm si a 100% nou va ka arrive fè sa. Gen informasyon ta fè comprendre que au niveau de ville Saint-Marc, situation te difficile. Le que kotej la particulièrement et journaliste qui ta couvri événement ta prentre, mais gen informasyon ta fè comprendre que situation très difficile ta gagné en même temps tout confrère nos journalistes qui blessé. Dis-nous comment situation te présenté, qui comportement policier te gagné face à situation si là. Immédiatement, commandement t'est informé de difficultés qui dans la Tibonite. Commandement la police n'a pas pris le temps pour être rentré en contact avec la direction départementale. Immédiatement qu'il était rentré en contact, il était pris à disposition pour renforcer le dispositif de sécurité dans Saint-Marc. Même si c'est des informations qui nous rejoignent un peu tard, que nous ne pouvons pas compléter dans les données que nous avons là. Mais par contre, il dit dans l'autre radio, dans l'autre organe de presse, et dans quelques heures qu'a fini là, on n'a pas complété le bilan que nous avons là pour nous capables d'informer le public là. Mais le commandement prend immédiatement des dispositions appropriées pour permettre que le convoi qui a sorti, le protège qui a sorti de l'autre côté, dans l'autre côté du département, et rejoindre la capitale là dans des meilleures conditions. Et il y a des arrestations qui sont faites, donc on n'a pas complété les données là pour nous capables d'informer la presse dans le cabinet. Disposition pour après 17, parce que ce n'est pas seulement 17 là, mais après 17, qui disposition la police a continué à prendre pour capable garantir sécurité, vie et bien tout le monde? Ah non, la police était en alerte. La police était en alerte parce que les dispositions que nous prenons, nous déploie pour avant, pendant et après. Donc la police était en alerte et n'a informé la population, n'a rassuré la population. Et manifestation en finie. Pour l'instant, nous n'avons aucune notification de aucun dirigeant politique, de aucun monde qui manifeste, dit qu'il va manifester dans les métropolitaines et dans la ville départementale de l'IA. Population est capable de retourner, vaquer à l'occupation. Et l'école est capable de l'ouvrir, donc on a notre petit qui de l'école ouvrir. Population est capable de retourner, vaquer à l'activité. Et la police est là pour garantir la sécurité comme il était fait avant.
Merci pour la parole, bien sûr, vous êtes disponible pour nos journal là, pour être capable de porter tout élément d'information sur pour nous. Nous souhaitons passer une bonne journée et puis un bon travail. Amis téléspectateurs, nous avons recevoir dans le journal la porte-parole institution policière Michel-Ange Lujeune avec l'État lui-même qui a dressé bilan intervention la police fait pendant journée 17 octobre 2018 là. Journée 17 octobre là qui marque 212 l'année commémoration la mort Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Et bien dans occasion si la président de la République la Jovenel Moïse qui était ensemble avec les premières dames de la République la Martine Moïse, premier ministre pays Jean-Henri Seyan, te gagné président chambre député Gary Boudo avec l'autre autorité dans l'état qui déposait un jet fleur dans pied monument Papa Nation qui trouvait les sous pour rouge dans Port-au-Prince. Et bien dans circonstance là autorité yo t'es observé un moment de silence, un moment de recueillement dans mémoire Papa Nation empereur Jacques Ier lui-même qui quittait pays ça pour nous. Et bien cérémonie ça qui était déroulée hier matin et c'était premier cérémonie dans cadre commémoration la mort 212 l'année la mort Jean-Jacques Dessalines. On a précisé après cérémonie ça, président de la République, toute délégation terrenio dans marché des Salines, qu'on doit assister à un message solennel pour marquer événement. C'est là que nous retourner à l'information. Et je nous dis dans le grand titre, 17 octobre, la marque journée mondiale alimentation. Dans l'occasion, responsable ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, dans tête collée à Fonds Nations Unies pour l'alimentation et puis Union européenne, organisé une journée d'activité pour commémorer date SILAM. Conférence en débat, exposition produits agricoles, exposition photo à clatrier, tenamitan activité au côté ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Jobert C. Grand exposé ensemble et l'état prend pour capable combattre grand goût par boycita à nous suivre. Il nous faut consentir à des efforts en vue de renforcer le secteur agricole alors même que le changement climatique rend plus aléatoire les conditions de production, notamment par les augmentations de risques de sécheresse et l'incidence des ouragans et d'autres phénomènes climatiques. En ce sens, la vision du gouvernement en matière de renforcement de la production agricole passe par la promotion de filières stratégiques, maïs, riz, sorgho, haricots, poulet, œufs, lait, légumes, racines et tubercules, pour alimenter le marché national et renforcer la sécurité alimentaire. En ce sens, priorité sera donnée à la promotion et la valorisation des produits agricoles locaux dans la lutte contre la faim, dans le but de réduire les importations et créer plus d'emplois dans le secteur agricole. Il nous faut également mentionner le rôle d'autres ministères, dont celui de la santé publique et de la population, pour contribuer à la formulation de politiques nutritionnelles et organiser des formations sur les thèmes de la nutrition afin de réduire la prévalence de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes ou allaitantes et d'autres groupes fragiles de la population. Le gouvernement compte aussi augmenter les investissements des infrastructures productives afin de garantir la production agricole, stimuler les investissements dans le secteur agricole afin d'améliorer la compétitivité des entreprises de production, développer des partenariats stratégiques dans les chaînes de valeur stratégique agricole, ainsi
que de la culture d'exportation, café, cacao, mangue. Ambassadeur Union européenne accrédité par Boïsite Vincent Déger et puis représentant directeur général FAO en Haïti, Nathanael Ishamunda, qu'elle est important pour le gouvernement yo engagé dans l'état contre Grango. Yo plaidé pour augmentation production agricole là par Boïsite et puis bataille contre importation pour permettre plus monde joindre manger. En nous suivant extrait la déclaration ni Namiko Esaïe Aurélius avec André Chéri. Se nourrir continue aujourd'hui d'être un véritable combat pour plus de 800 millions de personnes en situation de sous-alimentation chronique. Ceci représente, comme ça a été rappelé tout à l'heure, une personne sur neuf au niveau de la planète. Au-delà de son aspect symbolique, cette journée du 16 octobre vient donc nous rappeler durement que ce droit fondamental de se nourrir est aujourd'hui encore bafoué au quotidien pour de nombreux êtres humains. Parmi eux, il y a bien sûr les plus vulnérables, les enfants. 3 millions d'enfants meurent chaque année fauchés par la faim et la malnutrition. Haïti, de par ses multiples fragilités, économique, sociale ou environnementale, on pense bien sûr aussi au changement climatique, n'échappe pas à ce phénomène de la malnutrition. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la question de l'alimentation requiert une approche qui doit être plurielle, l'honorable Tanis le rappelait tout à l'heure, une approche qui doit être transversale afin d'augmenter la disponibilité des aliments pour les plus vulnérables. Mais on le sait tous, l'accroissement de la production ne suffit pas à tout résoudre. Il faut aussi faciliter un accès stable de la population à la nourriture et lui fournir une alimentation saine, tout en améliorant les qualités de prévention et de réponse lors de situations de crise. Les gouvernements ont un rôle fondamental à jouer en vue d'atteindre l'objectif fin zéro et de s'assurer que les populations vulnérables disposent de revenus suffisants pour acheter la nourriture dont ils ont besoin et de moyens nécessaires pour la produire, et ce, même en période de conflit. Les dirigeants mondiaux doivent néanmoins garder à l'esprit que le concept de fin zéro ne se limite pas à lutter contre la sous-alimentation. Il s'agit de fournir aux populations les nutriments dont ils ont besoin pour mener une vie saine. L'objectif fin zéro porte sur l'éradication de toutes les formes de malnutrition. Les systèmes alimentaires actuels ont permis d'augmenter la disponibilité et l'accessibilité des aliments transformés extrêmement caloriques et riches en énergie, en graisse, en sucre et en sel. Les systèmes alimentaires doivent être transformés de manière à ce que les gens puissent consommer une nourriture saine et nutritive. Nous devons traiter l'obésité comme un problème public et non comme un problème individuel. Directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle Manuel Jeune installé mardi 16 octobre chez les Caton comme nouveau coordonnateur programme pour l'école qualité en Haïti. Manuel Jeune dit qu'il compte sur capacité et compétences nouveau coordonnateur pour faire atterrir projet. Li fait connaître j'effort qui déploie depuis 10 dernières années ça yo permettant plus de monde qui pas gain l'espoir à l'école retrouver chemin l'école. En nous suivant extrêmement micro Anne Marguerite Auguste à Kevin Pierre. Il y a lieu de faire remarquer que le début n'a pas été facile, mais avec l'engagement et l'effort de ces deux parties, le taux de scolarisation est très au-dessus de ce qu'il a été il y a cela 10 ans. C'est donc pour nous le moment opportun de féliciter nos partenaires ainsi que le gouvernement haïtien qui ont déployé beaucoup d'efforts pendant ces 10 dernières années pour augmenter l'offre éducative et permettre par ainsi la participation massive des enfants haïtiens dans nos écoles. À ce niveau, on peut dire qu'au niveau de l'offre scolaire,
C'est un pari presque gagné et si nous devons tenir compte du plan décennal 2018-2028, cela va être une grande victoire pour le système éducatif haïtien en particulier et pour le peuple haïtien en général. Mesdames, Messieurs, le projet EPT démarré en 2006 en Haïti est fermé en 2016, soit au mois de novembre, pour faire place à un nouveau programme avec une nouvelle appellation PEC pour une éducation de qualité en Haïti. Ce virage vers la qualité est en lien direct avec l'engagement pris par le MENF à travers les 12 mesures prises en 2015-2016. Mesdames et Messieurs, en vue de répondre à ces engagements, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires n'ont jamais aménagé leurs efforts pour placer à la tête de cette prestigieuse institution une équipe dynamique, qualifiée et compétente, capable de mener à bon port la barque de l'institution. Coordonnateur Tounefla, Soubopali, Chiler, Katon, Zéli, conscient travail à Captain Papiti. C'est pour ça, les mains de compréhension, toute équipe technique, collaborateurs, pour être capable de faire travail sans force côté. L'équipe expérience déjà gagné dans ce sens, pour permettre les bailleurs, bon genre résultat. Toujours dans Nico, Anne-Marguerite Auguste, avec Eve Pierre. Monsieur le directeur général, je veux vous assurer déjà que j'en mesure toute la responsabilité associée à cette fonction que je suis prêt à assurer avec sérieux, efficacité, en visant les résultats. Je tiens aussi à faire savoir aux membres de la commission que leur travail n'est pas terminé. La commission restera à mes côtés pour une passation en douceur des dossiers. Et de plus, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec l'inspection générale, la direction générale du ministère, pour faire atterrir le projet au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Sur ce, je mise beaucoup sur la collaboration des directions techniques du ministère impliquées dans la mise en œuvre du projet, sans oublier mes nouveaux collaborateurs au projet EPT. Nous prenons l'actualité internationale. C'est l'Union européenne qui traite États-Unis pis mal. C'est déclaration président américain Donald Trump fait dimanche passé. Une déclaration qui mettait l'huile sous différentes relations qui gagnaient entre États-Unis et l'Union européenne. Et bien, déclaration ça capable vraiment faire couper fâché entre deux entités saillantes. Euronews a dit non plus. Les relations déjà compliquées entre l'administration Trump et l'Europe risquent de se crisper un peu plus. Le président américain a déclaré dimanche que sur le plan économique, personne ne traitait moins bien les États-Unis que l'Union européenne. Une sortie que le nouvel ambassadeur des États-Unis à Bruxelles essaye de tempérer. J'ai comparé notre relation à un mariage fidèle et de longue date qui a ses hauts et ses bas. C'est un mariage solide et c'est vrai qu'il traverse une mauvaise passe en ce moment, mais ça va bientôt s'arranger. Pour l'ambassadeur, il faut à tout prix arrêter la guerre commerciale à laquelle les deux époux se livrent. Mais là n'est pas la seule raison de la colère des États-Unis. L'Union vient d'instaurer un système pour contourner les sanctions américaines en Iran. Tous les moyens que l'Europe essaie de mettre en place pour contourner les sanctions américaines en Iran ne fonctionneront pas. La raison est simple. La plupart des entreprises auront un choix à faire. Elles peuvent faire des affaires avec les États-Unis ou avec l'Iran, mais elles ne peuvent pas faire affaire avec les deux. Depuis leur retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis ont imposé des sanctions sur l'Iran, mais aussi sur les entreprises extérieures qui commercent avec le pays.
19 moun mouri, yon trentaine lot a sorti blessé pendant yon fusillade qui fait nan yon lycée nan Crimé a yeme koudia. Se yon ancien élève lycée Sila qui gen sous tête 18 l'année qui l'ouvre koudzama pendant te nan couloir et puis nan salle classe lycée Sila sous tout Sila qui était devant Jules. Yon situation qui mettait la peine à glonanger nan Jérus ak Ukraine. Nan précisé victime Timio âgé sorti en 18 ans pour arriver 22 l'année. Et c'est là, nous mettons un bout dans le journal là avant de aller permettre que nous rappelons grand point qui domine l'actualité. Commémoration mercredi 17 octobre là 212 l'année l'homme papa nation Jean-Jacques Dessalines na occasion président république la Jovenel Moïse qui te gagne clé première dame république la premier ministre à Claude autorité na l'état déposer un jefle na pied monument papa nation sous pont rouge na Port-au-Prince et puis après ça participer na messe solennelle na marchand Dessalines. Deux mounan mouri, la police arrêté plusieurs individus, 11 policiers sortis blessés. C'est bilan partiel, l'institution PNH l'a dressé pour journée 17 octobre là. Nous te gagnons dans journal là. Intervention porte-parole, institution policière, commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Mardi 16 octobre là marqué journée mondiale alimentation dans occasion responsable ministère agriculture ressources naturelles et développement rural dans tête collé avec fonds Nations Unies pour alimentation et agriculture et puis Union européenne organisé une journée activité pour marquer date cela. Et puis à l'étranger, c'est Union européenne qui traitait États-Unis pis mal. C'est déclaration président américain Donald Trump fait dimanche passé. Une intervention qui est capable de compliquer la relation entre États-Unis et Union européenne. Cela je n'en arrive dans bouté, nous t'es vraiment content ensemble avec vous t'es capable d'informer. N'a précisé que n'a gagné dans journal à midi intervention président république là t'est fait dans occasion 212 l'année là mon papa nation n'a gagné pour nous suivre reportage sur messe solennelle cela et n'a gagné information en même temps tout sur manifestation qui t'est faite dans la rue Port-au-Prince à Claudeville de province toujours dans occasion journée 17 octobre là toute information ça venir dans journal midi Télévision Nationale d'Haïti. Nous te contents ensemble avec vous. Nous souhaitons passer un très bon jeudi. À demain matin pour l'attention journal matin. Bye bye tout le monde.